Bonjour les amis de Radio Camino, on rêverait tous de parcourir le chemin par une journée de printemps comme celle-ci. N'est-ce pas merveilleux, les oiseaux, le soleil? Mais malheureusement, quand on est sur le chemin, on est souvent confronté aux éléments et j'entends malheureusement beaucoup de pèlerins qui arrêtent leur chemin à cause de la canicule, de la neige, du froid, de la pluie. Alors je vais vous parler de mon expérience en la matière puisque après 15 ans de chemin, je commence à avoir apprivoisé à peu près toutes les conditions météo. Il me reste encore une phobie, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. On commence par la canicule. Alors combien de fois j'ai vu des pèlerins qui abandonnaient le chemin à cause de la canicule? Alors moi ça me surprend un petit peu puisque je viens du nord et donc je suis très contente quand il fait chaud, même très chaud. Évidemment je m'adapte dans ces cas-là puisque bon, j'ai un chapeau, je me trempe dans toutes les rivières, dans toutes les fontaines. Alors je précise que je ne suis jamais partie le matin à la frontale. Bien au contraire, je prends mon temps. Mais je fais toujours une longue sieste entre 2h et 17h et puis je marche le soir parce qu'en fait le grand atout de la canicule c'est qu'on va avoir des nuits merveilleuses, des nuits étoilées, on va pouvoir se coucher sous les étoiles presque sans sac de couchage, parfois même juste un petit drap, ça suffit, pas toujours quand même parce que il fait parfois froid la nuit et pour moi ben, ce sont les meilleures conditions puisque canicule dit aussi longue journée, donc tout le temps pour faire son étape. Pour moi, les mois d'été, juillet ou sur le chemin, même en Espagne, c'est que du bonheur. J'avais par contre beaucoup plus peur du froid, du gel, de la neige, mais malheureusement, quand on a vu les années de confinement, j'avais quand même très envie de partir marcher et donc je me suis retrouvée à bivouaquer dans des conditions tout à fait hivernales en Belgique. Alors au départ, j'étais mal équipée, ça s'est pas super bien passé. L'équipement indispensable quand on marche sous la neige, eh bien, ça va être des chaussures fourrées également s'il gèle. Bien sûr, le bonnet, les gants, mais ça, c'est la base. Les multiples couches avec doudounes, etc., tout ça aussi. Et puis surtout pour la nuit, investir dans un sac de couchage hyper chaud, ça a changé ma vie. Quand je dors sous tente dans mon bon sac de couchage, il n'y a aucun temps qui me rebute. Je précise que j'ai passé le col de Roncevaux sous la neige par Val Carlos bien sûr et qu'il ne faut pas que la neige vous rebute en Espagne en tout cas, même s'il y a plusieurs passages en altitude où il y aura probablement de la neige en hiver comme le Cebrero, on peut toujours passer par la route et donc il n'y a rien qui empêchera le pèlerin de suivre le chemin en Espagne, le Camino Frances en hiver, pas de souci. Il restait ma grande phobie, la phobie de la pluie. Et oui, je n'ai pas été une grenouille dans une vie antérieure parce que je déteste la pluie. Bon, je suis une Belge aussi, ça se comprend peut-être. Et j'avais décidé pour ce chemin ici aux Açores et en Galice en février que j'allais dépasser cette peur de la pluie. Mon meilleur ami, celui qui a sauvé mon chemin, mais c'est lui, mon petit parapluie. Rose, qu'est-ce qu'il m'a aidé, dire que j'ai failli ne pas le prendre et en dernière minute j'ai enlevé mon réchaud et j'ai pris mon parapluie, mais ça a changé ma vie puisqu'avec un parapluie c'est fini d'avoir la tête dans un sac plastique, c'est fini d'avoir l'eau qui descend dans le cou jusque dans la petite culotte, on peut enfin marcher en regardant le paysage et en plus on peut même regarder son portable si on se perd, bref le parapluie ça sauve de toutes les situations, même du vent, puisque parfois ben je l'ai utilisé comme paravent, tellement c'était la tempête par ici. Pour les vêtements, ben c'est comme tout, hein, un bon imperméable et puis un set complètement sec que l'on pourra mettre le soir. Et en général, moi je ne suis pas mouillée si je suis sous mon parapluie et sous mon imperméable. J'ai définitivement abandonné le pantalon de pluie qui était vraiment gênant pour marcher. Tant pis, ça sèche quand il y a un petit rayon de soleil et sinon on s'habitue à avoir les jambes mouillées. Par contre, le truc qui reste quand même très problématique pour moi, c'est les pieds. Les pieds mouillés, ça reste vraiment ma dernière phobie, ma dernière limite. Alors ici, les chemins en Galice sont totalement inondés, spongieux, herbeux. Enfin, au bout de 5 minutes de marche le matin, vous avez déjà les chaussures détrempées et les chaussures, ça finit toujours par percer. Malheureusement, il n'y a pas de miracle et on ne peut pas faire le chemin en bottes en caoutchouc. Je pense que les pieds ne résisteraient pas. Alors, bah, soit on essaye d'éviter les flaques et ça prend un temps fou, on va se perdre dans la forêt et finalement, c'est parfois pire comme galère parce qu'on se retrouve dans les ronces, dans les trous, dans les branches.
Ou alors on apprend à danser dans la pluie, c'est-à-dire à y aller et tant pis, on a deux petites barquettes pleines d'eau le soir, mais finalement les pieds, ça réchauffe un peu l'eau et on finit par s'habituer même au pire, même aux pieds mouillés. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir toujours avec vous un bon journal. Ici, c'est le Faro de Vigo. Non, on s'en fout. En fait, ça va servir à bourrer les chaussures le soir. Et croyez-moi, même dans le froid en bivouac, le lendemain matin, les chaussures sont sèches. C'est juste un pur miracle. Par contre, ce qui restera toujours pour moi une épreuve, c'est de remettre le matin des chaussettes mouillées et froides après une nuit de bivouac, pour ensuite enfiler les chaussures, parce qu'on sait très bien que ça sert à rien de remettre des chaussettes sèches. Dans 5 minutes, elles seront déjà mouillées. Eh bien là, je n'ai pas encore trouvé de solution à cette torture, à moins d'avoir une dizaine de paires dans mon sac, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, moi, je vais continuer mon chemin, même si les chemins sont ici des rivières. Et je vais penser à Florine qui dansait sous la pluie quand on était en février au Portugal. Et je vais faire comme elle. Et puis, il n'y a rien de grave, les pieds mouillés, ça fond pas. Je vous souhaite donc de ne plus postposer votre chemin pour des raisons météorologiques. Si vous avez envie de partir maintenant, partez maintenant. Il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste la perception du temps. Et finalement, on est tellement heureux de voir un rayon de soleil après des jours et des jours de pluie et de tempête que tout ça en valait vraiment la peine. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'ayez plus peur du froid, n'ayez plus peur du chaud, n'ayez plus peur de la pluie et prenez le chemin. À bientôt les amis. Ciao!